Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Alors je voulais vous faire une petite guidance, même si j'ai, voilà, mon chat qui arrive, même si j'ai déjà réalisé la guidance du 7 au 8. Il y a une carte qui s'est retournée, je vais la garder parce que c'est mon chat qui l'a qui l'a retournée. Je pense pas que ce soit un hasard. Voilà, il y a une carte qui s'est retournée de mon oracle obsidienne. On parle d'une personne de confiance. Voilà, on parle d'une personne de confiance. Je vais vous la montrer de plus près. Voilà. Donc, je vais la garder, hein, puisque voilà, c'est pas pour rien, tout simplement, que ça s'est retourné. Hein. Donc, je voulais faire, comme j'allais vous dire là, que je vais faire la guidance, donc, pour, comment dire, les jours fériés. Hein, donc, parce que là, on a les jours fériés, avec le pont aussi. Hein, donc voilà, je voulais faire donc cette guidance, donc une guidance qui va être du coup sur les 5 jours en fait, hein, donc mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Vous voyez, au lieu de faire une guidance du week-end, je vais vraiment faire la guidance de ces 5 jours, tout simplement, d'accord? Donc ce que je vais faire, c'est que, donc on va voir après, on va approfondir après pour la personne de confiance. Et puis, on va commencer d'abord par le côté général. Donc, le côté général qui est donc avec mon oracle obsidienne de Maria, qui, je le rappelle, est en stock. Hein, donc, il y a 105 cartes, il est en stock. Voilà, vous pouvez le commander si vous le souhaitez, ainsi que l'oracle La Rose de Maman Marie. Et il y a un concours dans la communauté. N'hésitez pas à aller voir et à participer si vous le souhaitez, bien sûr. Hein. Pour gagner l'oracle Maman Marie d'amour ici, hein, donc mon oracle de Maman Marie qu'on va aussi utiliser d'ailleurs, voilà. Et puis vous avez aussi mon oracle, celui-ci qui est en stock également, les âmes éternelles. Voilà les belles âmes. Donc bah écoutez, c'est parti, on y va, on va faire la guidance donc pour ces 5 jours. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord voir pour mercredi, hein, donc la journée du mercredi. La journée du mercredi, ensuite la journée du jeudi, vendredi. Donc là c'est général, hein. Et ensuite on sera dans le sentimental, plus approfondi les tarots. Donc mercredi, jeudi, vendredi, ouh, samedi, dimanche, bah dis donc. Passion, regardez, j'ai un homme, en tout cas une énergie masculine. Qui a beaucoup de passion, qui vous désire énormément ici pour ce week-end qui arrive. Ok. Bon, bah écoutez, on y va. On va d'abord, on va découvrir les autres cartes. Donc on a ici pour mercredi, hein, donc là on va d'abord, voilà, se concentrer sur le mercredi. Je vais faire comme ça. Voilà. Donc se sentir soulagé et personne néfaste. Ah, donc là, il y a quelque chose là par rapport à une personne que vous pensez être néfaste, peut-être que vous allez effectivement être soulagé. Donc, on va voir, on va mettre quelques cartes en plus ici. Ah, j'ai oublié d'enlever la carte, une toute petite carte, hein, d'explication. Alors, on a les grands tracas et accélération, rapidité. Donc, se sentir soulagé. Ouais, il y a quelque chose, vous voyez, qui vous tracasse beaucoup. Un gros tracas quand même. C'est pas quelque chose... voilà, c'est quand même un gros tracas. Hein. C'est quelque chose qui vraiment vous tracasse énormément. Ça vous rend peut-être même un peu malade. Vous voyez, un petit peu mal. Vous vous sentez très mal par rapport à ça. Et là, vous allez vous sentir soulagé. Et ça va arriver très rapidement. Ça va arriver très rapidement. Donc là, on a le troisième œil avec l'intuition. Donc vous allez ressentir les choses
Et puis l'infidélité. Ah, d'accord. Vous allez, voyez, la personne néfaste, en fait, vous ressentez que cette personne est infidèle ou cette personne est traître. Ouais, quelqu'un qui vous plaît, qui vous ment, qui vous trahit, etc. Hein, l'infidélité. Et le troisième œil, vous ressentez cela. Vous ressentez qu'il y a une trahison. Oula, il y a eu du bruit. Voyez, énervement. Et vous sentez cela parce que aussi vous vous mettez dans une sorte d'énervement en fait. Vous sentez que ça ne va pas quoi. Et vous voyez, encore une fois, on a la vitesse. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui arrive très très vite par rapport à cela, qui vous énerve, enfin qui vous met vraiment des tensions parce que vous pensez vraiment que cette personne n'est pas honnête, hein. Mais vous allez vous sentir soulagé. Alors pourquoi vous allez vous sentir soulagé ici? Qu'est-ce qui se passe? Une distance. Soin énergétique. Ah. Alors peut-être que vous allez passer par un soin énergétique. Ou alors tout simplement, c'est cette distance. Peut-être que vous allez mettre des distances avec cette personne. Ou tout simplement le fait que vous êtes loin l'un de l'autre. Ça va vous permettre en fait d'aller mieux. C'est comme si ça allait vous permettre de vous aligner. Et de vraiment ressentir les choses. Et de vraiment ressentir. Bah ce côté, vous voyez, intuition, troisième œil, c'est comme si vous allez pouvoir plus mieux l'écouter en fait, mieux vous concentrer sur cette intuition, sur ce troisième œil que vous avez là. Et là, ça sera un nouveau départ pour une réalisation de projet en amour. D'accord, puisqu'il y aura une réparation, une reconstruction en amour. Ah, d'accord. Donc en fait, on part du négatif pour aller vers le positif. Parce que là, on voit bien que vous avez beaucoup de tensions, beaucoup de stress, etc. Par rapport du coup à une personne néfaste que vous ressentez être fausse, infidèle ou traître. Et du coup, bah, très rapidement, hein, on a beaucoup la vitesse, la rapidité. Hein, donc ça va vraiment se passer très très vite. C'est comme si on me disait que ces cartes-là voulaient absolument vous dire que oui, ça se passe vraiment dans cette journée en fait. Que c'est dans cette journée, ça va s'accélérer, les choses vont s'accélérer et vous allez vraiment pouvoir comprendre et vous sentir soulagé par rapport à cela parce que vous allez pouvoir prendre vos distances et du coup, ça va vous soigner quelque part. Hein. Vous voyez, vous allez vous sentir de mieux en mieux en fait, de plus en plus aligné avec vous-même parce que vous allez beaucoup plus pouvoir vous écouter et du coup aller vers un nouveau projet en amour et du coup de reconstruire. C'est comme si vous allez pouvoir vous reconstruire au niveau amoureux et du coup pouvoir prévoir bah, d'autres projets en amour avec peut-être bah, d'autres personnes, quoi. C'est possible aussi. Tierce personne, bonheur. Voilà. Ouais, c'est ça. Il va y avoir, il y a une autre personne ici qui va vous apporter beaucoup de bonheur. Hein. Bah dis donc. Donc on va aller voir maintenant pour, on va se concentrer maintenant sur jeudi. Alors jeudi on a bon chemin, séparation temporaire. Donc là jeudi on a une séparation temporaire qui vous mène vers le bon chemin ici. Regardez, on retrouve la personne néfaste. Voyez? Donc vous vous séparez effectivement temporairement d'une personne néfaste. Hein. Donc bon, temporairement, ouais, argent. Ah, ok. Donc c'est une personne néfaste en lien avec le matériel alors. Ok, on va voir ici pourquoi on a la séparation temporaire du coup. Pourquoi c'est temporaire? Apprendre et savoir parce que vous allez apprendre des choses. Vous allez apprendre des choses qui vont vous mettre en sécurité. Ah, ok. Donc là, en fait, je dis, on vous parle d'une personne que vous pensez, en fait, que cette personne est néfaste. Du coup, vous préférez vous éloigner. Ah oui, d'accord. Vous préférez vous en éloigner. Vous préférez prendre vos distances. Et c'est là où vous allez apprendre des choses qui vont vous donner comme une sorte de sécurité. Et sur l'argent. En tout cas, vous allez vers le bon chemin. Vous voyez, regardez, sérénité et argent. C'est ça. Voilà.
Donc il y a quelque chose qui va vous apaiser au niveau donc financier. Peut-être que vous pensez que cette personne vous voulait du mal par rapport à vos finances ou qu'elle n'était pas honnête, etc. Puis en fait, tout compte fait, tout s'arrange en fait, voyez, par rapport au blocage. Vous allez vraiment retrouver une sérénité par rapport au blocage qui, là, effectivement, c'est comme si la sérénité était bloquée justement actuellement parce que vous n'êtes pas dans le bon chemin. Vous n'êtes pas dans le bon chemin, ouais, c'est ça. Vous n'avancez pas en fait vers le bon chemin. Alors pourquoi? Rencontre et cette personne ne ment pas. Ouais, c'est ça. En fait, c'est parce que il y a une personne avec qui est autour de vous, qui ne vous ment pas, qui est honnête, qui est sincère. Et donc là, je pense que c'est pour ça que mon chat, vous voyez, avait tiré entre guillemets cette carte de la personne de confiance. Je pense qu'en fait ici, entre mercredi et là et jeudi, du coup, on parle en fait d'une personne que vous pensez que cette personne est infidèle, vous pensez que cette personne vous ment, vous pensez que cette personne n'est pas, voilà, n'est pas honnête. Et en fait, vous allez avoir tout le contraire. Vous allez avoir tout le contraire parce qu'on vous dit que là, durant une rencontre, donc il y aura une rencontre avec cette personne, ou vous avez eu une rencontre avec cette personne, peut-être déjà avant. Il y a eu des discussions, des choses qu'elle vous a dites. On vous dit qu'elle ne vous ment, elle ne vous ment pas, elle ne vous mentait pas. Et c'est le bon chemin. C'est le bon chemin. Par contre, là, le fait de croire que cette personne, c'est quelqu'un de néfaste, c'est le mauvais chemin. Vous voyez, ce qu'on vous dit, c'est ça, en fait. Maintenant, je comprends mieux, vous voyez. Comme quoi, hein, faut toujours approfondir pour comprendre mieux les choses. Donc, bah écoutez, voilà pourquoi on a la personne de confiance, hein. D'ailleurs, je vais la reprendre maintenant qu'on a compris. Donc, on a ici maintenant, alors j'ai dit quoi? Mercredi, jeudi, maintenant vendredi. Et puis là, c'est le week-end, hein, samedi, dimanche. Alors là, grosse dispute, gros désaccord, se voir. Ah, alors on va voir. Parce que là, effectivement, on voit que vendredi, il y a un désaccord par rapport au fait de se voir, de se rencontrer, d'être ensemble. Bon, on va voir. Donc de se voir avec une personne, hein, bien sûr. Après, on ira plus dans le côté sentimental, mais là, c'est vrai que c'est général, hein. Et c'est vrai que ça fait beaucoup plus penser aux sentiments. Tierce personne, vous voyez, c'est une... Ah, Divette! C'est une tierce personne, en fait, qui veut, voilà, qui veut vous voir très rapidement. Et du coup, ça va amener un gros désaccord. Vous n'allez pas... Je pense que vous ne serez pas d'accord de le voir ou de la voir. Voyez, emprisonnée et loisir. Elle est emprisonnée dans ses loisirs. Elle est emprisonnée dans. En fait, c'est quelqu'un qui est très égoïste. Ici, moi, j'ai une personne très égoïste. Donc, c'est une tierce personne, hein, donc c'est quelqu'un d'autre qui est très égoïste, qui veut absolument vous voir très vite et vous, vous ne voulez pas, tout simplement. Donc, il va y avoir effectivement une dispute. En tout cas, un gros, gros désaccord. Donc là, on a les prières. Voilà, prières, demandez. Si vous vous sentez dans la confusion, en fait, on vous dit tout simplement qu'il faut demander, prier par rapport justement à cette confusion. Parce que ça se peut que cette personne vous met un peu dans la confusion. Vous voyez? Qu'elle vous mette un petit peu dans ce côté, ouais, confusion, j'en ai marre, j'en peux plus, etc. Elle vous met dans des énergies négatives. Forcément, avec cette grosse dispute ou ce gros désaccord, qu'on vous dit réfugiez-vous dans la prière, par exemple. C'est pas obligé de faire une grosse prière ou une grosse demande, c'est pas ça. Mais c'est juste, voilà, se tourner vers Dieu, par exemple, tout simplement en disant, écoute, je te laisse tout ça entre tes mains. Occupe-toi de cette situation, j'ai confiance en toi. Et puis, hop, c'est bon. Et vous avez la foi que tout ça est pris en compte. Construire ensemble, hein, l'une, la femme. Vous voyez? Parce que après ces demandes, ces prières, vous allez pouvoir avancer vers cette construction ou reconstruction avec cette personne. En tout cas, avec une personne ou avec vous-même. Ah, j'entends aussi peut-être avec vous-même. Hein. Ça peut être une reconstruction avec vous-même parce que il y a beaucoup de doutes et vous avez besoin de cette renaissance. Vous avez besoin
d'enlever tous ces doutes en fait, pour pouvoir avancer. Vous avez vraiment besoin de cela. Et maintenant, on va se concentrer sur samedi dimanche. Donc cet homme ici, cette femme d'énergie masculine qui vous désire, hein, qui est très passionnée, vous voyez, par vous. Et on voit cette personne, hein, vous voyez ici, cette personne qui est assise, en train de vraiment de penser à vous, quoi. De penser à vous, de vous désirer. Je sens une personne aussi qui est triste. Hein. On peut un petit peu apercevoir une personne un peu triste. Voilà, bah on est bien dans l'énergie masculine. Oh bah alors là, c'est clair. Personne un peu triste ici, ouais. Vous voyez, énergie masculine hein, qui ressort avec l'oracle, la rose de maman Marie. Donc, on va voir, on continue. Pour le week-end ici. Qu'est-ce qu'on a? Ah! Je mérite l'amour, je mérite la joie. Répétez cela 3 fois. Je mérite l'amour, je mérite la joie. Je mérite l'abondance, je mérite la prospérité. Voilà. Parce que ça va vous aider à prendre confiance ou reprendre confiance en vous, en vos capacités. Hein, déjà, c'est ce qu'on vous dit ici. Et on a une demande concrète et sérieuse qui arrive vers vous de la part de cette personne de cœur, effectivement. Et effectivement, on parle de prospérité aussi. Donc, on voit que oui, sortir ensemble. Hein. Donc oui, pour moi, il va y avoir cette demande concrète et sérieuse au moment où vous allez vous voir. Donc, c'est quelqu'un qui va peut-être vous inviter justement à sortir. Quelque chose comme ça. C'est quelqu'un aussi qui va vous apporter comme sorte de prospérité ou qui prospère. Oula. Tiens sa parole honnête, encore une fois. Et fleuraison, printemps. Hein. Donc, vous voyez, c'est en train de fleurir. Hein. C'est en train d'arriver ce moment magique ici. Parce que là, j'ai un moment magique. Hein. Ah, on a l'énervement, mais on a la réparation et la reconstruction sur l'énervement. Donc, on voit qu'effectivement, ce qui vous stressait, hein, ce qui vous mettait vraiment dans un état de stress intense, d'énervement, etc., va, ça ira mieux. Ça va, vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir soulagé. Hein. Donc, c'est vraiment ici ce qui se passe actuellement. Et donc, bah écoutez, on va prendre une dernière carte avec celle-ci et je vais prendre le tarot. Les 4 saisons comportement. Donc, tu croiseras sur ton chemin des personnes qui changeront avec le temps. À toi de te fier à ton intuition si elles changent positivement ou négativement. Donc là, vous allez voir le comportement en fait de cette personne qui change dans le côté positif ou pas. Mais là, on vous dit que c'est positif. Donc là, on vous dit qu'il y a un changement de comportement de cette énergie donc masculine hein, qui est très positive. Vous allez voir un comportement très positif de la part de cette personne qui va justement réparer, comme si ça va vous réparer, quoi. Réparer le lien, réparer la confiance en cette personne, la confiance en soi aussi. Enfin, il y a vraiment une réparation ici. Voilà, quelque chose de très très positif en tout cas qui arrive. Donc on va prendre les tarots. Madame Divette, tu vas arrêter là de monter tout le temps ou quoi? Elle fait toujours aller-retour, aller-retour. Bon, je ne sais pas ce qu'elle a aujourd'hui. Alors aujourd'hui, les belles dames, je voulais prendre ce tarot d'abord, pour commencer. Donc, bon, je ne sais pas pourquoi, on va voir, hein, mais voilà, j'avais envie de prendre celui-ci. Donc c'est le tarot, voilà, je vous le montre. Et puis voilà, c'est parti, allez. Ouais, ça veut déjà parler de une vérité. Il y a une vérité ici à savoir. Une personne, effectivement, qui revient. Alors là, on me dit que cette personne revient, donc, de voyage ou d'un déménagement. Elle revient de quelque part.
Ouais, elle revient en tout cas vers vous pour vous dire une vérité. Elle ne veut plus rester en fait à attendre quoi que ce soit, mais elle veut venir pour vous dire une vérité ici. Et en dos de deck, on a créativité. Donc là, on a le magicien, mais à l'envers. Donc on voit qu'ici, c'est quelqu'un quelqu'un qui ne va pas très bien, en fait. Hein, ça, c'est clair. Et c'est quelqu'un qui ne va pas très bien, qui a besoin d'exprimer une vérité, qui est frustré par rapport à ça. Et qui met du retard à vous dire cette vérité. D'ailleurs, je prends une carte avec mon oracle pour voir un petit peu. La fin d'un état transformation. Un comportement, un état d'être prend fin. C'est une transformation de soi. Voilà. Et ensuite, on a jalousie et envieux. Dis-toi que les personnes jalouses de toi sont des personnes qui veulent être comme toi. Ne t'occupe pas d'eux et suis ta route. Donc là, il y a vraiment une transformation par rapport à ça. Parce que il y a comme des jalousies, des envies, etc., qui sont autour de cette personne et qui du coup le mettent dans un état un petit peu de frustration, qui retardent les choses aussi à cause de leur énergie négative. Mais cette personne est en train quand même, malgré tout, de se transformer. On continue. Donc là, on a le fou. C'est quelqu'un qui a besoin de se sentir comment dire, libéré de ces personnes. C'est une personne qui a besoin de ressentir cela, qui ne veut plus se sentir bloquée dans un état d'être, justement, à cause de ces personnes jalouses et envieuses. Donc c'est quelqu'un qui va pour moi, se libérer. Qui va vraiment aller vers un nouveau départ. Par contre, on voit une insécurité ou quelque chose d'instable chez vous. Comme une insécurité comme ça. Ah ouais. À cause d'une perte. Ah. Ouh là là, vous avez beaucoup, beaucoup de peur. Beaucoup d'anxiété ici par rapport à la perte. Vous avez beaucoup d'anxiété par rapport à ça. Beaucoup de tristesse de votre côté. Il y a beaucoup de tristesse. Et on vous dit que cette tristesse, c'est une peur. C'est une peur. Là, on parle d'échapper à une ruine, de se ressaisir, de tirer des leçons, des épreuves qu'on a passées et voir ses craintes se réaliser. Hein. Donc c'est ça, en fait, on a peur. Hein. Il y a cette peur en vous qui est en fait la peur de voir bah, que justement vos craintes, vos peurs se réalisent. Il y a quelque chose qui vous fait très très peur. Du coup, ça met effectivement, hein, c'est une impasse. En fait, ça crée une impasse, ça crée un retard, ça crée une impasse. Et vous, en plus, ça vous met dans une tristesse, quoi. Vous allez devoir prendre une décision. Ouais, demande de l'aide. Vous voyez, vous allez devoir prendre une décision. Et on vous dit de ne pas avoir peur de demander de l'aide. Ose demander de l'aide, tu donnes beaucoup, mais toi aussi, tu as le droit de recevoir. Alors ne t'inquiète pas et demande de l'aide pour cette situation à une personne de confiance. Donc, vous voyez, par rapport à ça, vous avez cette aide qui peut arriver ici à vous afin de prendre une décision. Ouais. On parle d'une vie familiale malheureuse, un foyer qui est brisé, manque de sécurité, de stabilité. Mais par rapport à cela, vous pouvez prendre la décision justement de discuter, de faire des compromis, de mettre fin en fait à tout ça, en fait, à ces tensions ici, afin d'aller vers un nouveau départ financier aussi. Que là, vous voyez, on parle bien de prospérité.
Donc un nouveau départ prospère, hein, au niveau financier, au niveau professionnel, matériel, peut-être un nouveau travail, peut-être une nouvelle entreprise, peut-être tout simplement de l'argent, hein, qui va arriver, qui va rentrer, et du coup qui va beaucoup vous aider et qui va beaucoup aussi vous faire sentir dans un état de sécurité, de stabilité. Et donc ça va aller, vous vous sentirez mieux au niveau énergétique forcément pour pouvoir discuter avec cette personne avec laquelle vous avez besoin de faire des compromis. Il y a ce besoin vraiment de compromis, quoi, de discuter là. Parce qu'il y a quelque chose qui ne vous rend pas heureuse ou heureux à l'heure actuelle. Et du coup, voilà, les amoureux, vous avez vraiment ce besoin de faire un choix important ici, hein, pour ces 5 jours. Ah, donc là, j'ai oublié, je pense, de vous le dire, hein, c'est vraiment les 5 jours avec le tarot. Hein. Vous voyez, c'est un choix important au niveau amoureux que vous allez devoir faire. Et vous allez pouvoir le faire une fois que vous vous sentirez mieux. Mais pour ça, il faut d'abord travailler sur votre peur. Parce que c'est ça qui bloque. Voilà. La peur de quoi? Eh bien, c'est ça. Vous voyez? Problème d'argent, facture impayée, dette, etc. Voilà de quoi vous avez peur en fait. Vous avez très très peur de ça. Il y a quelque chose avec tout ce qui est en lien avec l'argent, les finances, le matériel, professionnel. Et c'est ça qui bloque. Alors que cette personne, bah voilà, elle va vous faire une déclaration d'amour, une proposition en tout cas d'amour romantique, etc. Mais vous allez penser que cette personne est matérialiste, qu'elle veut juste en fait le côté matériel, le côté financier. Ouais. Ouais, il y a ce côté vraiment, on va voir. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il veut vraiment, ce cavalier de coupe? Qu'est-ce qu'il ou elle veut vraiment? Manque d'enthousiasme. Ouais, il y a un manque d'enthousiasme de cette personne. Comme si elle voulait vous faire une déclaration d'amour, etc. Mais elle manque d'enthousiasme. Il y a de la tristesse. Et il y a de la peur aussi. Et donc, il y a ce besoin de se reposer. Alors, qu'est-ce que cette personne veut vraiment dans cette proposition d'amour? Qu'est-ce que cette personne veut vraiment avec vous? La force. Abus de pouvoir. Oh! Alors, déjà, ce qu'il veut vraiment avec vous. Bon, là déjà, moi je vois que c'est quelqu'un qui veut avoir ce côté force. C'est-à-dire que cette personne, moi je vois quelqu'un qui aimerait, comment dire, qui aimerait avoir comme une sorte de pouvoir sur vous, en fait, voyez? Mais une fois qu'elle a ce pouvoir sur vous, elle va en abuser, en fait, elle va faire ce qu'elle veut. De ce pouvoir, hein. Il y a quelque chose comme ça. J'aime pas trop parce qu'il y a un petit peu trop de, bah, comme de l'ego, comme de la fierté. Et on vous dit dans les prochaines semaines, tout va bouger et ce sera magique parce que, pardon, vous allez savoir une vérité. Et on vous dit que cette vérité, elle est à l'intérieur de vous. On va voir. On va essayer de découvrir, hein, cette vérité justement. C'est quoi cette vérité? Par rapport à cette personne qui apparemment veut avoir le contrôle quand même sur vous. Hein. Elle aimerait avoir le contrôle. Ça, c'est ce que je vois. Hein. Famille malheureuse et tout ça. Ben voilà. Famille malheureuse. Oublier le passé, se concentrer vers l'avenir. Hein. S'accrocher aux gens. C'est quelqu'un qui s'accroche. C'est quelqu'un qui s'accroche à vous, il y a un déséquilibre sur le fait que cette personne s'accroche en fait à vous, même si elle voit que ça ne va pas, même si elle voit que vous n'êtes pas heureuse ou heureux, cette personne va s'accrocher. Et j'ai l'impression que c'est comme ça aussi que vous allez voir une vérité. Hein. À l'intérieur de vous, vous allez comprendre qu'en fait, bah, c'est pas si bien que ça. Voilà, et cette personne, elle va venir. Elle va venir, mais dans les prochaines semaines. Donc là, vous voyez, on va un petit peu plus loin. Elle va venir
pour pouvoir faire en sorte que cette tour ne soit pas là. En fait, il va vouloir encore une fois avoir le contrôle sur la décision que vous allez prendre, c'est-à-dire ici la décision, parce que pour moi ici vous allez prendre la décision ensuite de vous choisir, hein, et du coup de ne pas aller de l'avant avec lui ou elle, parce que vous n'allez pas trop aimer ce comportement, hein, du fait de vouloir être sous le contrôle, etc. Mais cette personne ne va pas accepter, elle va venir malgré tout pour éviter justement cette rupture, pour éviter que tout soit détruit. Voilà. Cavalier d'épée, hein, donc elle va venir vraiment très très rapidement. Hein, elle va tout faire pour qu'elle puisse vous garder dans sa vie, parce qu'elle sait très bien que vous avez cette énergie d'impératrice, elle sait très bien qu'avec vous, on peut vraiment être fertile, on peut vraiment être stable. On a aussi le côté créatif, le côté harmonie et sensualité. Mauvais conseil ici. On a une personne, roi de coupe à l'envers. On a quelqu'un ici qui est de mauvais conseil. Quelqu'un qui est dans des dépendances très toxiques aussi. Et une personne très égoïste qui s'intéresse qu'à elle-même. Voyez, hein? Mais vous allez avoir des bonnes nouvelles par rapport à ça par la suite. Vous allez avoir des bonnes nouvelles par rapport à cette personne. Au niveau donc de vos affaires, de tout ce qui touche le travail matériel, financier, vous allez avoir de bonnes nouvelles par la suite. Et vous allez voir un mauvais comportement de la part de cette personne, ou un manque d'énergie en fait venant de cette personne qui va en fait vous aider quelque part, entre guillemets, qui va vous aider en fait à comprendre que vous avez fait le bon choix en vous éloignant, en partant. Donc, voilà. Puis là, du coup, on a le jugement. Donc, vous allez effectivement aussi évaluer la situation et vous allez voir que, voilà, avec la reine d'épée, hein, en fait, vous allez évoluer la situation, évaluer, pardon, la situation dans le côté plus mental que au niveau du cœur, en fait. Là, vous allez vraiment voir plus la raison que le cœur, quoi. Vous allez juger la situation, mais vraiment au niveau avec votre tête, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça sera plus avec votre tête qu'avec vos sentiments. Ouais, et du coup, cette personne aura effectivement son karma et va devoir rester dans une certaine routine, hein, dans sa vie matérielle. Surtout. Ouais, avec un peu de patience, vous aurez d'autres options. On me dit qu'il y aura des choix. C'est comme si vous allez ressentir, hein, vous allez ressentir des problèmes. Hein. Vous ressentez. C'est pas vous allez ressentir. Vous ressentez déjà, comme vous ressentez déjà qu'il peut y avoir des problèmes en fait qui peuvent venir à vous. Excusez-moi pour le bruit. C'est comme si vous ressentez avec la grande prêtresse que des problèmes peuvent venir à vous à cause des bêtes à cause de cette personne ici, de ce cavalier de denier, hein. Qui vous met dans une sorte de retard. Vous ressentez des problèmes. Ouais, c'est ça. Parce que vous ressentez comme si parce que vous voyez que cette personne, c'est comme si elle forçait un petit peu les choses avec vous. Sans en fait prendre en compte ce que vous ressentez vraiment. Vous voyez, c'est un excès. Il y a en plus de l'hypocrisie, enfin des personnes hypocrites et tout ça autour, de la méchanceté, etc. autour. Ouais, vous allez ressentir qu'il y a du mensonge. Sur le fait que quand on va vous dire voilà, je veux concrétiser les choses avec toi, etc., vous allez ressentir un mensonge. Vous allez ressentir un mensonge, mais cette personne, elle aura son karma.
Voilà, regardez, chômage, frustration, etc. Cette personne aura son karma dans le côté matériel, bah, sur le fait que elle a abusé, entre guillemets, de votre confiance, en fait. Et en fait, ici, on me dit clairement que le rêve, le vœu, pardon, ou même le rêve, qui va se réaliser pour vous, c'est de voir cette personne, en fait, frustrée ou même au chômage, quoi. Parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va tellement vous... Bah, qui vous a tellement fait du mal, qui va tellement vous faire du mal, vous voyez? C'est quelqu'un qui vous rend... qui vous a rendu ou qui vous rend tellement triste que du coup, vous allez... Enfin, votre souhait, ça sera de voir que cette personne, en fait, n'y arrive pas. Enfin, quelle est sa justice divine. Ouais. Parce qu'il y a eu vraiment ce côté séduction, mensonge, etc. On a profité de vos sentiments ici. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui a joué avec vos sentiments. Et là, cette personne va avoir une justice divine parce qu'elle a joué avec vos sentiments. Elle a osé jouer avec vos sentiments, hein, cette personne. Hein. Oh là là, ouais. On vous parle vraiment de quelque chose de... une histoire assez complexe, hein. Ouais, c'est assez complexe là, ce tirage, hein. Alors, si tu dois faire quelque chose, ne te sacrifie pas et ose le faire, car parfois oser t'aidera à voir les choses que tu ne vois pas si tu ne bouges pas. Donc là, vous voyez, peut-être que là, vous êtes peut-être en mode sacrifice, peut-être que vous l'avez toujours été, et là, vous allez réussir à vous détacher justement de ce mode sacrifice et à oser faire les choses parce que c'est comme ça en fait que vous allez voir. Je pense que c'est comme ça que vous allez voir que justement cette personne. Bah en fait, elle est pas si honnête que ça, malheureusement. Ouais. Ouais, il y a quelque chose comme ça qui ressort ici. Hein. Cette personne qui n'est pas honnête ici. Voilà. Ouais. Non, là, moi, j'ai vraiment la trahison. J'ai vraiment quelqu'un qui n'est pas du tout honnête avec vous. Hein. La reine de Denier. Hein. J'ai vraiment quelqu'un voilà, qui n'est pas honnête, qui ment. Et qui voit votre côté. Qui voit plus votre côté matériel que votre côté financier, que votre côté cœur, quoi. Vous voyez? C'est ça que j'aime pas. C'est qui cette personne? Encore une fois, c'est un cavalier de denier. C'est quelqu'un qui prend le temps, qui est très. Voilà. Et qui ne montre aucun signe d'anxiété. Vous voyez que cette personne, par exemple, elle est sûre d'elle, sûre de lui, sûre d'elle. Tout va bien, tout va très bien. J'avance et je suis sûre que je vais l'avoir et je suis sûre que je vais avoir ce que je veux. Parce que vous avez de la stabilité, vous êtes stable, vous êtes dans votre équilibre en fait. Et là, on a le 9 de bâton. Excusez-moi si ça crie, les enfants, là, dehors. Bon. Le petit enfant qui fait. Qui veut imiter le bruit du moteur. Voilà, effectivement. Hein. Un peu trop d'ailleurs. Alors. Oh, deux coupes. Et quatre. Ouais, c'est ça. En fait, il pense que cette personne. Hein, alors, je dis il, mais vous interchangez par rapport à vous, évidemment, comme d'habitude. Hein, vous savez, hein, maintenant. Mais voyez, par rapport à cette personne, je vous dis, hein, c'est quelqu'un qui est persuadé. Que, il va toujours être avec vous en couple, ou il va vous avoir, en tout cas en couple, être toujours avec vous, réussir en tout cas à être avec vous, à vous garder tout ça dans sa vie, et en fait, ben non, il va pas réussir à vous garder comme il le pense. Et oui, il ne va pas réussir à vous garder comme il le pense, parce que c'est vraiment quelqu'un qui est pas du tout anxieux, hein, et puis il est sûr. J'entends, il est sûr de son coup. Vous voyez, j'aime pas du tout ce que j'entends, mais. Oh, j'aime pas ces énergies, hein. Mais vous, regardez, vous êtes l'impératrice qui attend, qui attend, qui observe. Vous voyez, vous êtes très maligne, très malin, dans le sens où vous observez, vous regardez, parce que vous ressentez les choses. Vous ressentez que quelque chose cloche. Vous voyez que cette personne, oui, par exemple. Par exemple, je vais citer un exemple ici par rapport au tirage évidemment. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui va vous montrer un visage en fait qui est super. Il va vous faire peut-être même des cadeaux. Il va vous montrer, mais alors tout ce que vous aurez voulu avoir par exemple d'un homme ou d'une femme, il va vous le montrer. Mais
vous allez ressentir qu'il y a quelque chose qui cloche et vous allez vous dire, ok, il y a un truc. Et du coup, vous restez à observer. Vous restez à observer. En fait, vous agissez là de manière très, très, très intelligente parce que le fait de rester à observer, eh ben, ça va justement vous permettre de voir vraiment ben, qui est cette personne réellement, en fait. Qu'est-ce qu'elle veut réellement de vous? C'est comme ça, en fait, que vous allez voir qu'il y a une trahison. Et qu'est-ce que cette personne va faire après, du coup, une fois que vous allez découvrir ça et que vous allez, du coup, dire non, même quand elle va essayer de revenir, parce qu'elle va forcer les choses, hein. Elle va pas vous laisser comme ça. Qu'est-ce qui va se passer après tout ça? Reine d'épée à l'envers, 6 d'épée. Vous voyez, vous allez décider calmement, sereinement, d'avancer, de voir votre avenir beaucoup plus stable. Ouais, de voir votre avenir ici. Et vous n'aurez plus peur d'aller vers votre avenir. Vous serez beaucoup plus calme. Hein. Vous n'aurez plus peur et vous avancerez vers votre avenir par rapport à vos projets. Vos projets, donc ici, financiers, matériels, professionnels. Vous n'aurez plus peur. Par contre, on voit que vous serez fatigué. Ouais, cette vérité va vous fatiguer par contre. Hein. On voit que vraiment ça va... Bon, c'est, j'ai envie de dire, c'est normal. Hein. Hein, on est être humain. Donc, c'est normal que cette vérité va bah, forcément vous blesser. Mais en plus de ça, vous fatiguez énormément. Vous serez un peu découragé. Mais vous allez réussir à voir et à vous tourner vers l'avenir. À espérer, en fait. Et on vous dit bien, il y a un karma pour cette personne. Il y a une justice divine qui arrive pour cette personne. Et vous, vous allez vraiment pouvoir... On me dit que vous allez vraiment pouvoir oublier petit à petit ce passé. Ça sera dans le passé, en fait, de plus en plus. Plus vous avancerez dans le temps, plus ça sera dans le passé. Et vous allez réussir à avancer et aller vers l'avenir, encore une fois. Par contre, cette personne, elle aura vraiment une justice divine. Voilà, vous voyez? Eh bien, cette personne, elle va regretter énormément tout ce qu'elle aura fait, tout le comportement qu'elle aura eu et de comment elle aura pensé en fait vis-à-vis de vous. Elle va regretter parce que déjà elle sera condamnée entre guillemets à rester dans un certain désir de vous. Avec l'as de bâton, on est vraiment dans ce côté passion, désir. Donc ça, ce côté passionnel, désir, cette personne l'a pour vous. Mais le problème, c'est que il y a beaucoup plus ce côté matériel, intérêt, que le côté amour, etc. Mais c'est quelqu'un qui va énormément regretter. Voilà, cette personne va regretter. Voilà, parce qu'elle n'aura pas, justement, elle va comprendre que le cadeau, et donc le cadeau c'était vous, eh ben, elle va comprendre que ce cadeau qu'on lui avait donné sur un plateau, un cadeau divin, j'entends, hein, vraiment, vous étiez un cadeau. Cette personne va vraiment se rendre compte que vous étiez vraiment le cadeau que Dieu lui avait apporté sur un plateau, quelque part, entre guillemets, c'est ça. Et elle ne l'a pas saisi, elle a fait n'importe quoi. Voilà, elle a fait n'importe quoi, elle va énormément regretter. Et elle va essayer de vous parler, elle va essayer de communiquer avec vous de nouveau. Ouais, et de manière intelligente, forcément. Hein. Elle va essayer de communiquer avec vous de nouveau de manière très intelligente, mais ça ne sera pas réciproque. Ça ne sera plus réciproque. Vous n'allez plus, malgré vos sentiments, hein, parce que je vois que vous aurez quand même toujours des sentiments pour cette personne, hein. Voyez ? Vous aurez quand même des sentiments pour cette personne, mais vous allez décider d'avancer, tout simplement. Vous allez décider d'avancer, et ça ne sera pas du coup réciproque sur le fait que vous n'aurez pas envie de lui parler ou de parler avec elle. Vous voyez, vous ressortez encore. Parce que vous, ben voilà, vous avancez vers une autre voie, une autre vie, une autre direction. Et cette personne, elle va essayer de garder le contrôle sur ses propres émotions
mais elle sera complètement déséquilibrée. Elle va montrer, hein, j'entends, elle va montrer en apparence qu'elle est dans le contrôle de ses émotions, qu'elle y arrive, alors qu'en fait, pas du tout. Elle est complètement déséquilibrée. Ouais, voilà. Elle est complètement déséquilibrée ici. Elle va pas être heureuse du tout en amour. On me dit qu'elle sera pas du tout heureuse en amour, malgré le fait que elle va réussir à s'ancrer. Elle va réussir après à être un empereur. Vous voyez, cette personne va être beaucoup plus ancrée, etc. Mais ne sera pas du tout heureuse ou heureux en amour. En fait, elle va rester dans le regret de cet amour perdu, en fait, avec vous. Elle va se tourner peut-être vers la spiritualité, vers la foi, etc. Mais vous n'aurez plus aucun doute. Vous serez sûr que ce n'est de ne plus revenir en fait avec lui ou avec elle. Ouais, vous serez vraiment sûr de ça. Je vais d'abord prendre un petit message. Ouais, énervement et tension. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va vraiment rester dans les tensions, dans l'énervement et qui va rester comme ça. Pourquoi? Parce qu'il va comprendre que que vous étiez l'amour de sa vie. Voilà, l'amour de ta vie. C'est une personne qui va comprendre que vous étiez l'amour de sa vie. Ouais. Et j'entends hein, que c'est une personne qui va demander pardon. Va demander pardon au divin, va demander pardon à l'univers, etc. Voilà, par rapport à cet amour, parce qu'il va se rappeler des moments. Qu'il a passé avec vous, avec qui voilà, vous étiez enlacés l'un l'autre. Il va se rappeler de ces moments où il était serein, sereine, il se sentait bien dans vos bras, que c'était vraiment un moment tranquille, etc. Il va se rappeler de ça et il va s'en vouloir, mais énormément. Hein. Cette personne, elle va vraiment s'en vouloir. Hein. Donc, quelque part, oui, les sentiments sont là. Mais voilà, elle s'est tournée beaucoup plus vers ce côté matériel. Le piège, tomber dans un piège qu'il ne fallait pas. Du coup, bah, ce page de nid à l'envers. Hein. Voilà, projet d'avoir ce foyer heureux ensemble, d'être heureux, tombe à l'eau. Le projet tombe à l'eau. Voilà, cadeau qu'on lui avait donné n'est plus là. Et vous serez sûre et certaine, vous n'aurez plus aucun doute de votre choix, de votre décision. Et vous allez vers votre propre désir. Et voilà, regardez. Vous allez vous diriger vers votre souhait, votre désir qui vous tient le plus à cœur. C'est un réel amour. Un vrai amour. Un amour vraiment vrai, un amour vraiment pur. Et on va se concentrer sur cet amour maintenant. Ouais, je vais me concentrer sur cet amour, les belles âmes. Je vais juste enlever ces cartes-là. Et on va se concentrer sur cet amour. Alors, je vais peut-être mettre sur pause, sinon vous allez devoir attendre que je range tout ça. Voilà, les belles âmes. C'est mieux, sinon vous allez devoir attendre que je range tout. Qu'au moins, comme ça, vous n'attendez pas. Donc, on va maintenant se concentrer sur cet amour qui va venir à vous après tout ça, après tout ce petit bordel, entre guillemets, si je peux dire ça ainsi, excusez-moi du mot. On va aller voir un petit peu ce qui va se passer entre vous et cette personne ici, qui du coup, hein, parce que là, on vous parle vraiment d'une réalisation, donc d'un souhait avec la bonne personne. Cette fois-ci, c'est vraiment la personne d'amour, de cœur et tout ce qu'on veut. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on vous dit. Alors, je vais prendre un petit message. Hop, petit cœur. Un petit message avec mon oracle, la rose de Maman Marie, par rapport à cela. Méfiance. Alors, certaines personnes ne sont pas sincères avec toi. Ne raconte pas ta vie et garde tes secrets. Alors là, je pense que déjà, premièrement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez garder une part de méfiance par rapport donc, à l'entourage, aux personnes. Donc, je pense que vous allez garder peut-être cette relation secrète au début. Et puis on parle de son amour qui est en toi, les sentiments. Ok, donc son amour est en toi. Écoute à l'intérieur de toi, car ce que tu ressens, cette personne le ressent aussi. Vous êtes connectés. Hein. Donc là, on vous parle bien, vous voyez, d'une connexion très très intense donc entre vous et la personne
de cœur ici. Hein. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut vous dire ici. Je vais d'abord prendre celui-là. Que là, on a vraiment une réalisation de souhait par la suite. Et heureusement, j'ai envie de dire, après tout ce que vous aurez vécu avec cette personne, effectivement, heureusement que oui, il y aura bien une réalisation de souhait au niveau amoureux, c'est-à-dire vraiment un vrai amour. Peut-être que vous ne serez pas de même origine. Vous voyez, vous n'aurez peut-être pas la même couleur de peau, la même origine. Voilà, vous aurez. Ou alors, ça sera vraiment des différences. Hein, vous serez vraiment différent. Par exemple, au niveau de vos caractères, quoi. Vous serez vraiment différent, mais vous, vous compléterez. Et ça sera magnifique. Ça sera magnifique. Parce que c'est un véritable amour. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport à quoi cet amour véritable ici ? Puis autre personne, karma, justice. Hein. Elle va en baver. Hein. Moi, j'entends, elle va en baver. Hein. J'entends vraiment ce mot-là, en baver. Elle va en baver. Ah oui. Elle va s'en mordre les doigts, elle va en baver. Je ne sais pas. Peut-être que je vais dire ça dans le titre, parce que c'est vraiment... Et je sens vraiment hein, quelqu'un qui va énormément, mais alors... Oh, elle va énormément regretter le comportement qu'elle aura eu avec vous. Alors qu'elle avait, j'entends, elle avait un diamant dans ses mains. C'est comme si elle avait un diamant dans ses mains, puis elle a perdu ce diamant, quoi. Vous voyez ? Alors, on a le monde à l'envers, manque de succès. Alors, on a le monde à l'envers. Et on a la sécurité, donc la reine de deniers à l'envers. Voyez-vous, c'est ça, en fait. Là, vous allez vraiment être dans un état d'esprit où vous allez vous dire, mais le monde ne veut pas de moi, quoi. Le monde ne veut pas que je sois heureuse avec quelqu'un. Le monde ne veut pas que je trouve l'amour de ma vie, etc. Ouais, il y a comme une sorte de fardeau. Vous ne serez pas vraiment en sécurité. Vous ne vous sentirez pas vraiment en sécurité par rapport à l'amour, en fait. Allez. Voilà, échec. Bah oui, vous aurez cette impression évanouissement, voyez, vous aurez vraiment un moment de... Ce moment sera très dur pour vous, hein. Ça sera très difficile pour vous d'accepter en fait, vraiment, hein. Ça sera très difficile pour vous d'accepter bah, que cette personne, a autant... jouer avec vos sentiments. Hein. J'entends que vraiment vous allez vous sentir dans un état où on a joué avec votre cœur à un point inimaginable, quoi. Ça sera très difficile pour vous au début. Hein. Très très difficile au début pour vous d'aller jusqu'à ce souhait ici qui se réalise. Hein. Ça sera très dur. Hein. Vous serez vraiment dans ce côté. En fait, vous allez vous dire, je me suis sacrifiée pour cette personne et tout, mais en fait, c'est tout ça pour rien à la fin. Mais non, c'est pas pour rien. C'est en fait une leçon, voilà. Parfois, on ne sait pas pourquoi, c'est comme ça. On doit passer par des... Comment dire ? C'est pas des leçons, mais des expériences, en fait, de vie. On ne comprend pas trop pourquoi, mais ce qu'on sait, c'est que ça nous fait évoluer et on va le comprendre après. C'est pas maintenant, en fait, qu'on va le comprendre. On va le comprendre plus tard, vous voyez ? C'est ça en fait. Hein. Alors ce souhait là qui se réalise d'amour. Ce souhait d'amour. Vous voyez le changement, la roue de fortune. C'est un changement, mais un grand changement. Un grand changement au niveau amoureux. Et vous ne serez plus du tout dans cette énergie de 5 de coupe. Vous voyez, vous ne serez plus dans cette énergie de regret en fait. De vous sentir coupable. De vous être peut-être sacrifié pour lui, pour elle, pour cette relation, pour cet amour, d'avoir été dans l'échec, encore une fois, etc. Vous ne serez plus du tout dans cette énergie. Hein, les choses vont vraiment changer. Les choses vont vraiment changer. Jugement à l'envers. Vous voyez, encore une fois, hein, on a ce côté justice, hein, voyez. 6 de coupe. Pour moi, la personne du passé, qui sera du coup une personne de votre passé à ce moment-là,
eh bien, aura cette justice, tout simplement. Va s'en mordre les doigts, parce que vous, vous serez dans cette réalisation de votre rêve, de votre souhait, vous, vous serez dans cette réalisation avec des sentiments réciproques et vrais et purs, et cette personne, elle va s'en mordre les doigts. Voilà, tout simplement. Elle va vraiment regretter. Et on vous dit dans les prochaines semaines. Vous voyez, on vous redit la même chose. Tout va bouger dans les prochaines semaines. Donc, vous voyez, c'est très court. Hein. Au niveau du temps, ça va arriver assez rapidement quand même. Et là, on vous parle d'enfant intérieur. Prends soin de ton enfant, de l'enfant qui est en toi. Fais des jeux ou simplement souris, rigole, amuse-toi avec la vie. Vous voyez, là, c'est ce qu'on vous conseille ici avec l'enfant intérieur. On va le garder. Avec mon oracle, hein, la rose de Maman Marie qui est en stock. Je le rappelle si vous aimez bien. En tout cas, moi, j'ai énormément aimé le faire, le créer, celui-ci aussi. La grande prêtresse. Ah. Et le 2 de denier. Un équilibre ici, hein, qui est caché, hein, que vous allez garder secret. Vous allez garder secret votre équilibre. Et là, on a le cavalier de coupe, très anxieux. Là, on a un cavalier de coupe, hein, du coup, très anxieux ici. Pourquoi il va être anxieux? C'est peut-être un scorpion ou alors un signe d'eau. On dira scorpion, c'est signe d'eau aussi. Cancer. Donc, signe 2, c'est quoi? Cancer, scorpion et poisson. Oui, c'est ça. Poisson, cancer et scorpion, normalement. Ouais, c'est ça. Des fois, j'ai des trous, des mémoires. Ouais, vous voyez, vous aurez peur. Vous serez bloqué au départ. Vous serez bloqué dans la peur. J'ai vu 56-56 là. 56 minutes 56. Peut-être que ça vous parle. Vous voyez, vous serez bloqué dans la peur. Bloqué dans la peur, ouais. Et cette personne aussi a peur. Cette personne aura très très peur également, hein, de vous faire une déclaration d'amour. Parce que elle va savoir. C'est comme si cette personne savait ou va savoir que vous êtes dans la peur, justement. À cause de ce que vous avez déjà vécu. Cette personne est au courant ou le ressent. Donc la peur d'un nouveau départ. La peur aussi que la relation intime peut-être ne soit pas comme vous l'espéreriez, mais tout va se débloquer. Alors, je ne sais pas pourquoi on vous parle de la relation intime aussi. C'est comme s'il y avait des peurs que la relation intime ne soit pas comme vous l'espérez, parce que vous avez déjà vécu quelque chose de pas bon à ce niveau-là. Mais là, ça va se débloquer également avec le pendu à l'envers. Le pendu est à l'envers, ça va se débloquer. Pour moi, c'est ça. Qu'est-ce qui est caché d'autre ici avec la grande prêtresse? Bah oui, c'est un manque de bonheur, un manque de joie ici. Vous serez sûr, vous serez très sûr. Alors, eh bien, vous serez sûr qu'avec l'autre personne, ça sera vraiment fini parce que vous allez comprendre en fait que vous n'êtes pas... que vous ne serez pas heureuse ou heureux avec cette personne. Voilà. Du coup, vous allez être sûr de cette fin, tout simplement, avec lui, voilà. Et donc, bah là, à partir de là, et grâce à votre intelligence, hein, grâce au côté comme ça intelligent, parce que vous allez vraiment beaucoup plus écouter votre raison que votre cœur, voyez. Et c'est pour ça. Vous allez vraiment comprendre, en fait. Et à partir de ce moment-là, c'est là où... Après, les choses vont se débloquer par rapport à ce que vous désirez ici, qui arrive vers vous et qui est un vrai amour, hein, qui est vraiment le vrai amour. Vous allez sortir d'une routine. Grâce à vos prières ou à vos demandes, vous allez sortir d'une routine ici avec, voyez, cet amour, ce foyer, cet amour, ce couple qui n'était, avec qui, voilà, vous n'étiez pas heureuse ou heureux. Et vous allez pouvoir vous reposer. Par contre, il y aura toujours comme une peur... de revivre en fait cet amour, en fait de revivre des choses comme ça.
Voilà. Vous aurez toujours peur que d'autres problèmes, que d'autres choses mauvaises arrivent en amour. Du coup, vous allez beaucoup hésiter parce que vous aurez peur de ça. Vous attendez en fait au pire, quoi. Parce que voilà, il y a eu trop de... Cette personne a, pour vous, cette personne aura trop abusé de vous, de vos sentiments, de votre confiance, tout ça en fait. Et là, bah voilà, encore une fois, jugement. Jugement, encore une fois. C'est quelqu'un qui va vous demander pardon. Hein. Par la suite, je vous dis, elle va beaucoup regretter. Hein. Elle va vraiment avoir la justice divine. Mais vous allez vraiment partir vers votre renouveau, vers votre nouvelle vie, en fait. Et vous allez retrouver le calme, l'apaisement en vous. Et je pense que même, et ça c'est très très fort, parce que vraiment, félicitations si vous y arrivez. Mais je pense que voilà, si vous arrivez vraiment, félicitations parce que ça va vous libérer. Parce que là, on me dit que même, vous allez réussir même à pardonner. Vous voyez, c'est fort. Hein, vous allez réussir même à pardonner à cette personne. Et pardonner, ça ne veut pas dire que vous allez accepter tout ce qu'elle vous a fait ou que vous allez revenir. C'est tout simplement que vous allez réussir à pardonner, c'est-à-dire à vous libérer. Et grâce à ça, grâce à ce pardon, vous allez vous libérer. Et là, tout va arriver en fait après. Tout va se débloquer. Hein. À partir du moment qu'on est dans le pardon, dans l'acceptation, etc. Et qu'on comprend que bon, voilà, ok, on a dû passer par là. Mais voilà, c'est pas parce qu'on a passé par là que ça sera toujours comme ça. À partir du moment où on se libère de ça, de ces peurs-là, etc., là, on va pouvoir commencer à attirer cet amour véritable ici pour vous. Voilà, abus de pouvoir. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a abusé de, entre guillemets, de son pouvoir, en fait, hein, vis-à-vis de vous, qui était très passionné par rapport à vous. C'est vrai qu'il y avait une énorme passion, un énorme désir sexuel et tout ça. Mais voilà, c'était quelqu'un qui a trop abusé de cela, en fait. C'est quelqu'un qui s'est mal comporté. Hein. Ouais. C'est mal comporté. C'est une personne... On me dit que cette personne, elle était beaucoup dans le travail répétitif, ennuyeux, routine, etc. dans sa vie. Et vous, vous étiez dans cette abondance. Et on vous voyait, en fait... voilà, encore une fois, avec vous, on voyait que les choses pouvaient se concrétiser, pouvaient aller de l'avant, surtout au niveau donc matériel, financier. On pouvait avancer, on pouvait voir plus loin avec vous, voyez. Donc, encore une fois, on a ce côté matériel qui ressort. C'est bien de voir des projets avec la personne, voilà, qu'on aime, etc. C'est bien d'avoir des projets, mais quand on voit que ça et que on a beaucoup plus de passion et qu'on est dans l'égoïsme, hein? Ouais, bah là, il y a un problème, hein, forcément. Il y a un gros problème. Voilà, c'est quelqu'un, vous voyez, on me dit, quelqu'un qui était très intelligent, enfin, qui est très intelligent aussi, et qui sait comment faire, quoi. Qui sait quoi dire, qui sait quoi faire, qui réfléchit beaucoup avant de parler, etc. Donc, c'est pour ça, tout simplement, que vous avez, on va dire, tombé, entre guillemets, dans ce panneau, entre guillemets. Mais vous en êtes sorti parce que vous avez une intuition. Voilà, vous avez une intelligence spirituelle. C'est différent. On revient sur cette personne ici. Bon, on va encore me dire que cette personne va regretter. Elle va regretter et en plus elle va rester dans l'impasse. Elle va rester bloquée dans sa vie. Ok. Bon, est-ce qu'on peut me parler de l'autre personne? Parce que... S'il vous plaît. Alors, cette autre personne... Ici, avec qui, vraiment, ça sera des vrais sentiments d'amour, etc. Alors, on a le roi de bâton, mais à l'envers. Donc, c'est quelqu'un qui ne va plus savoir se maîtriser par rapport, encore une fois, aussi au désir. Elle va plus savoir se maîtriser hein, par rapport à vous. Et, ouais... C'est ça. En fait, elle ne va plus réussir à se maîtriser. Elle sera beaucoup plus sensible. Elle aura de l'amour pour vous. Hein, il y aura de l'amour. Voilà. Elle n'arrivera plus à se maîtriser. Il y aura une sensibilité. Elle ne va plus savoir quoi penser. Elle sera découragée. Pourquoi elle sera découragée ici? Ah, c'est vous qui serez découragée, qui serez fatiguée. Ouais, c'est ça.
Et cette personne, elle va plus trop savoir quoi penser, quoi faire, parce qu'elle va vous voir découragé. À un certain moment, vous serez vraiment pas bien à cause de cette personne. Hein, bon, ce qui est tout à fait normal, logique. Vous avez besoin de temps pour guérir. Hein. N'oubliez pas. Voilà, vous voyez, à cause de cette tour, vous allez avoir besoin de ce temps pour guérir, tout simplement. Voilà, par rapport donc à cette destruction, cette ruine qu'il y a eu avec cette personne ici, qui était beaucoup plus donc dans le désir et dans le fait de voir l'avenir avec vous, mais d'une façon beaucoup plus, bah voilà, matérielle que amour, quoi. On n'aurait pas encore guéri de cette relation qui aura mal tourné, qui n'aura pas été un grand succès pour vous. Vous n'aurez pas encore guéri, vous aurez besoin de temps. Vous allez être sûr de ce que vous allez faire avec lui ou elle, c'est-à-dire que voilà, vous allez être sûr que c'est fini, fini. Mais ça sera difficile encore pour vous, pas bah, de guérir de cette relation qui pour vous, bah forcément pour vous, c'était une relation vraie, hein, une relation réelle hein, quand même. Un lien en tout cas vrai. Voilà, la fin d'un état, voyez? C'est exactement ça. En fait, vous avez juste besoin de ce temps pour vous transformer petit à petit, en fait, pour guérir. Et c'est là, vous voyez, où les choses vont être positives. Hein, ça va tourner vers le positif entre vous et l'autre personne ici. Ouais. Cette personne, elle va quand même hein, prendre un peu ses distances pour vous laisser le temps, en fait, de guérir et d'aller mieux. Voyez? Et on vous dit que des fois, il faut s'éloigner pour voir les choses plus clairement et sous un autre angle. Mais le plus important, c'est de te sentir bien avec toi-même. Donc, c'est quelqu'un qui vraiment va s'éloigner un petit peu de vous pour que vous puissiez vous sentir mieux. Hein. Et là, on a la jalousie et les envieux. Alors, je ne sais pas pourquoi on vous parle des jalousies et des envieux. Ok. Il y a quelqu'un qui était très jaloux, jalouse, cœur brisé, hein, voilà. On me dit que, bah, je sais pas pourquoi, mais on me dit que au niveau des énergies de jalousie, tout ça a aussi participé. Hein. Il y a eu quelque chose au niveau des énergies de jalousie, tout ça, qui ont aussi. Comment dire, bah, fait en sorte que bah, qu'à un certain moment vous avez eu le cœur brisé en fait avec cet empereur ici, ouais. En plus, je vois qu'ici avec cette personne, j'ai l'impression que voilà, à chaque fois qu'il y avait un désaccord, une dispute ou quelque chose comme ça, les choses finissaient toujours bien, on trouvait toujours un compromis. Il va y avoir un accord hein, par la suite. Un accord entre vous et cette personne. À un certain moment, cette personne n'aura pas le choix que d'accepter bah, la rupture. Donc au bout d'un moment, il y aura cette acceptation de rupture en fait avec cette personne qui vous a fait du mal. Elle va l'accepter, mais au bout d'un moment, elle va revenir vers vous. Elle va revenir vers vous. Elle va saisir, entre guillemets, sa chance et revenir vers vous en espérant que vous allez la reprendre et la pardonner. Mais pardonner ne veut pas dire revenir. Hein. Voilà, vous serez beaucoup plus dans ce côté. Non, non, moi, c'est la raison d'abord, c'est le mental d'abord. Et après, va venir le cœur ou l'amour. Hein, parce que c'est quelqu'un qui va vous faire une déclaration d'amour à nouveau, qui va revenir. Hein, et vous allez être très dur, très froide. Hein. Avec lui ou elle. Voilà. Et donc, avec l'autre personne, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Avec l'autre personne qui est vraiment une bonne personne pour vous, avec qui il y a ces sentiments-là, voyez, on a l'union directement.
et on a une union spirituelle. Waouh! Donc vous voyez, ça sera vraiment une union, un lien très spirituel entre vous et cette autre personne. Ah ouais, vous allez passer des moments magiques qui vont finir à un mariage. Ça va aller jusqu'au mariage. Ou en tout cas, vers, voilà, là, quelque chose de très, 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 très stable et en plus avec beaucoup de respect. Voilà, il y aura beaucoup de respect. Vous allez vraiment ressentir quelque chose de très spirituel entre vous et cette personne, quelque chose de très, très fort. Vous allez ressentir aussi un respect mutuel, etc. quoi. Donc, il y aura vraiment quelque chose de très intense, de très beau entre vous deux. Voilà. Ouais, ça sera magique, hein. Ça sera vraiment magique, hein, les âmes, entre vous et cette personne. Qui sera vraiment, voyez, une union spirituelle et qui sera vraiment la bonne personne. Donc là, on a l'énergie féminine et on vous dit, hein, pour vous, les désirs s'exaucent. Tout simplement, tu vas avoir un souhait, une prière s'exaucer rapidement. C'est tout simplement vos prières, vos demandes qui font que bah, les choses arrivent, tout simplement. Et on vous dit, hein, écoutez bien votre intuition. L'énergie féminine circule en toi. Tu vas être encore plus connecté à ton intuition. Voyez? Mettre une dernière carte avec mon oracle, la rose de Maman Marie. Voilà, ressentir le manque, l'absence. Si tu ressens un manque, un vide au fond de toi, dis-toi que tu es ta priorité et que la personne qui t'aime vraiment, voilà, la personne qui t'aime vraiment reviendra à toi. C'est ça en fait. Vous allez vous dire que de toute façon, la personne qui t'aime, qui m'aime vraiment, bah, elle va revenir. Et en plus, elle va se comporter de façon très bien avec moi. Et du coup, ça, ça va vous mener vers une résurrection, donc vers vraiment une nouvelle vie. Hein. Donc oui, cette personne va revenir avec le regret, le pardon, etc. Mais il y aura quelqu'un d'autre ici. Avec qui, vraiment, ce sera très, très intense. Et vous serez ancré. Vous voyez, il y aura vraiment cette stabilité entre vous et cette personne. Hein, et ça sera votre cadeau, hein, avec la carte, vous voyez, de magie de Noël, Nouvel An. En fait, ça sera votre cadeau. C'est le cadeau, cette rencontre, cette autre personne, en tout cas, ici, sera vraiment votre cadeau. Hein, parce que vous étiez vraiment... on voit ici que vous étiez vraiment malheureuse, hein, malheureux dans ce couple, dans ce lien ici, avec cette personne qui vous a vraiment fait du mal. Hein. Ouais, vous allez vraiment avoir ce besoin de vous reposer, de vous ressourcer, et puis d'aller, voilà, de vous libérer en fait de cette énergie, d'aller vers un nouveau départ, hein, tout simplement. Donc voilà les belles âmes, hein, je vais m'arrêter là, en tout cas... va beaucoup, 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 beaucoup sans mordre les doigts, cette personne, ça c'est clair. Parce que, bah voilà, ça sera trop tard au moment où elle va regretter, ça sera trop tard. Parce que vous serez vers une direction différente qui sera avec la personne ici, qui sera vraiment votre amour, vraiment votre l'amour de votre vie, j'ai envie de vous dire. Qui en plus sera très patient, patiente avec vous, parce qu'il va savoir que, voilà, vous avez vécu des choses difficiles. Mais ça sera en tout cas une union très spirituelle, très intense. Il y aura des moments magiques entre vous. Et ça sera la réponse à vos prières. Donc, voilà. Donc, voilà, les belles âmes. Je vais terminer avec un petit message, tout simplement, avec le pouvoir insoupçonné de la proclamation de la parole. Alors, qu'est-ce qu'on a? Heureux. Pardon. Donc, on a la sagesse ici. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Voilà, vous voyez? En effet, le bénéfice qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, et elle a plus de valeur que tout ce que tu pourrais désirer. Proverbe 3, 13 à 15. Donc, vous voyez, on parle en fait sur le fait que vraiment, la sagesse, c'est vraiment très très important. Hein. Vous voyez, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, parce que vraiment, on dit que... Et l'homme qui possède l'intelligence. Vous voyez, ces deux-là, hein, la sagesse et l'intelligence, hein, que je vous disais tout à l'heure, hein, eh ben en fait, là, c'est comme si on vous confirmait que
Le fait de vous écouter beaucoup plus au niveau là de votre tête, au niveau de votre mental, de votre intelligence en fait, par rapport à cette personne qui vous fait du mal, eh bien ça va vraiment vous diriger vers le bonheur. Parce que là, on vous dit bien que elle est plus précieuse que les perles et elle a plus de valeur que tout ce que tu pourrais désirer. Donc c'est vraiment quelque chose. Voilà, c'est quelque chose. Alors on voit bien hein, ici, c'est vraiment quelque chose de très 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 fort, de très très important. Hein, voilà, c'est beaucoup plus précieux que plein d'autres choses, quoi, ici qui sont précieuses. C'est encore plus précieux que cela. Donc c'est vraiment pour dire à quel point, eh bien, c'est le bon chemin en fait. Voilà, vraiment, c'est clair. Hein, ça, c'est vraiment la conclusion du tirage. Pour dire oui, c'est voilà, le fait de penser vraiment avec votre côté mental par rapport à cette personne, hein, d'être plus dans le côté mental, hein, intelligence spirituelle, émotionnelle et sagesse, ça va vous permettre vraiment d'aller vers le bon chemin, ça va vous permettre vraiment de prendre les bonnes décisions. Vous voyez? Comme quoi, bah là c'est clair, hein, ici vraiment, voilà, on a vous avez vraiment la réponse sur le fait que, bah oui, parce que j'entends qu'il y a des personnes qui pourraient se dire oui, mais bon, si j'écoute plus mon mental, c'est peut-être pas bon, il faudrait peut-être que j'écoute plus le cœur. Bah ouais, mais parfois, c'est pas mauvais en fait de se détacher un petit peu du cœur pour prendre des décisions importantes. Parfois, oui, parce que parfois, notre cœur aussi peut nous influencer de manière un peu, comme on dit, hein, l'amour peut rendre aveugle. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous les belles âmes, prenez soin de vous surtout, hein, puis voilà, dans tous les cas, écoutez-vous toujours, bien sûr, hein. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales, en tout cas, merci encore, prenez soin de vous, n'hésitez pas, si vous voulez participer au concours, hein, pour gagner donc mon oracle, la rose de Maman Marie, sinon, vous l'avez aussi en stock sur mon site internet, ainsi que mon oracle obsidienne de Maria et les âmes éternelles, voilà, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. Tous les sites internet et liens directs se trouvent en description juste en dessous. Et vous avez aussi ma grosse améthyste qui est en stock. Voilà, à moins 35%. Moins 30%, pardon. Bisous à tous et à très bientôt. Bisous.